ficelle pour être encore plus discret que ces sangles qui font bien épais autour de l'arbre. Avec une ficelle verte, vous êtes hyper discret. Thank you.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous emmener un peu dans les coulisses d'un photographe animalier, parce qu'on ne fait pas que des photos tout le temps. Il y a aussi énormément de repérages et un peu des fois des bivouacs de nuit pour certaines espèces. C'est un petit peu les avant-goûts de ce que je vais essayer de faire cet été, en vidéo bien sûr. Comme ça je pourrais vous emmener avec moi. Donc dans cette vidéo vous avez pu voir un peu le repérage, poser des pièges photo pour essayer de collecter des informations. Ces informations-là, je vais soit les utiliser ou peut-être que j'aurai rien du tout et je changerai de coin. Donc voilà. Dans cette vidéo, j'ai aussi installé mon hamac et mon tarp pour mes futurs bivouacs de cet été. J'ai aussi fait un feu que je ne vais pas faire souvent, seulement dans mes sorties comme ça, tranquille, où je me fais plaisir à aller dans la forêt. Et des journées comme ça où je sais qu'il pleut, il n'y a rien d'extraordinaire à part faire du repérage. J'ai décidé de faire un petit feu pour simplement me réchauffer et de me donner un défi de faire un feu partant de pluie. Donc voilà, j'ai réussi, j'ai pas mal galéré, mais j'ai quand même réussi, donc je suis assez content. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, de liker la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.